Dziękujemy delegatom z poszczególnych. Dziękuję bardzo delegués des divers pays d'avoir bien voulu prendre la parole. Je pense que nous allons maintenant passer au chapitre suivant. Devant vous, un député à la Diète polonaise, membre de la Nouvelle Droite, juriste spécialisé dans la cybercriminalité, à savoir Monsieur Jacek Wilk. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un sujet difficile qui sera le mien, puisqu'en 8 minutes, je dois vous présenter en bref quels sont les rapports économiques avec la Chine. Et dans ce contexte, les mots de mon professeur me reviennent. Mon prof de sciences éco dans les années 80, il présentait un cas très curieux. Il disait qu'en Chine, ils ont des plans de 20 ans communistes qui ne donnent pas grand-chose et que c'est un exemple assez amusant de ce qu'il ne faut pas faire. 20 ans se sont écoulés et puis il s'avère finalement que la Chine est, selon les critères, soit la plus grande économie du monde, soit la deuxième, selon la méthodologie. C'est une croissance absolument spectaculaire, une croissance qui se maintient. La Chine, bien entendu, pendant des siècles, voire des millénaires, la Chine a été un pays fermé, qui considérait les autres pays et les étrangers comme des ennemis, que comme des partenaires commerciaux. Et c'est ça qui a changé ces dernières années. Il y a énormément de contacts commerciaux entre la Chine et le reste du monde, ce qui fait que les Chinois se sont enrichis extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, nous avons 100 millions de touristes chinois qui circulent par le monde, un marché automobile extrêmement important. La Chine a réussi à conquérir des marchés tels que le Zimbabwe, par exemple. La monnaie chinoise est en vigueur au Zimbabwe. La Chine colonise l'Afrique, n'est-ce pas? Et cette expansion se maintient et même se développe dans le temps. En même temps, les défis qui se posent au pouvoir chinois sont énormes, puisque ce pouvoir essaie d'offrir 15 millions d'emplois pour sa population. Ça ne peut pas être facile. Donc ils cherchent des voies de développement, et la direction naturelle qui serait la leur est l'Europe. Et entre autres, notre pays. Paradoxalement, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a un peu le même problème que la Pologne. Ils sont dans le piège de la croissance moyenne. C'est-à-dire qu'on devient un pays où la main-d'œuvre, on était un pays où la main-d'œuvre n'était pas chère, mais ça s'est fini parce que les salaires augmentent. Donc maintenant, il va falloir changer de stratégie, faire un autre pas en avant pour éviter ces pièges de. C'est ce piège, on appelle ça le démon midi de la croissance économique. Pour la Chine, c'est vraiment un moment clé. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à faire un pas en avant, mais dans la bonne direction. Tout tourne autour d'un slogan. Une nouvelle route de la soie. Napoléon a dit à une époque que quand le géant chinois se réveillerait enfin, le monde changerait. C'est ce qui se passe. La Chine se réveille, un peu comme les États-Unis, un peu comme l'Europe, se sont enfin enrichis grâce au commerce. Alors, ce qui est plus facile pour eux, c'est le commerce maritime. Mais les Chinois sont entourés de détroits, d'îles, de presqu'îles. Il y a une flotte américaine qui peut à tout moment les empêcher de faire du commerce. Donc ils ont décidé de faire quelque chose d'absolument historique, quelque chose de révolutionnaire, qui était la construction d'une nouvelle route de la soie vers l'Europe. La question qui apparaît alors est de savoir si on va y participer, et si oui, comment. Mais moi, je n'ai aucun doute là-dessus. La Pologne doit participer à la construction de cette route de la soie. C'est un investissement très important. L'artère eurasiatique,
qui va relier la Chine à l'Europe. C'est comme si la Pologne avait gagné au loto, parce que c'est vrai que géographiquement, on est très bien placé, comme il a été dit aujourd'hui, on est entre l'Orient et l'Occident, donc c'est un très bon endroit commercialement parlant. Après, il faut savoir si on va être en mesure d'exploiter la chance qui nous est faite. Notre président a participé au forum de coopération 16+1, c'est-à-dire 16, le pays d'Europe centrale plus la Chine. Il a participé à l'ouverture du forum polono-chinois de Shanghai. Donc il semble qu'on ait vraiment commencé à faire travailler dans la bonne direction. Ceci dit, mesdames et messieurs, il y a quand même un endroit où le bas blesse, parce que la Pologne est dans l'Union européenne, donc on est soumis à l'hégémonisme allemand. Margaret Thatcher a dit un jour en 86 que l'Union européenne, en fait, était l'outil de la dominance allemande. Et elle n'avait pas tort. Alors, on a beau être ambitieux, bien sûr, on aimerait participer à cet investissement historique que serait la nouvelle route de la soie, mais il faut être conscient d'une chose, c'est qu'il y a une résistance allemande sur notre voie, et puis il y a les États-Unis qui, bien sûr, qui sont en concurrence avec la Chine. La question est donc la suivante. Allons-nous réussir à relever le défi? Une des réponses serait la suivante, à savoir faire en sorte que l'Europe soit transformée, ne soit plus cet État centralisateur, à savoir l'Union européenne, qui dit à chaque État ce qu'il a à faire et comment il a mené sa barque et mené ses affaires économiques, aller dans le sens du souverainisme, de nos intérêts particuliers, de manière à ce que chaque pays ait le droit de mener sa barque. C'est pourquoi des réunions comme celle d'aujourd'hui sont particulièrement importantes, puisqu'elles montrent la direction. D'un côté, les réformes, d'un autre côté, les réformes, une réforme profonde de l'Union européenne, et d'un autre côté, la voie qui devrait être la nôtre. N'ayons pas peur de la voie qui est celle du souverainisme. Les Chinois ont un proverbe. Ils disent, si tu veux être riche, construis des routes. Bien, dans le cas qui est nôtre, c'est un proverbe qui prend un sens ambivalent, parce que d'abord il faut participer à ce grand projet qui est la construction de la nouvelle route de la soie, et la Pologne, je pense, étant donné sa situation géopolitique, peut en bénéficier grandement, étant un des points centraux de cette nouvelle route de la soie appelée à naître et qui reliera l'Europe et la Chine. Mais d'un autre côté, la construction de notre propre route, de notre propre voie, au moins c'est autre chose. Ça veut dire que la Pologne ne doit pas avoir peur de défendre ses propres intérêts, de défendre avec les autres États européens sa souveraineté, de manière à lutter avec courage, à prendre la parole avec courage et pouvoir résoudre les problèmes aux côtés des autres États européens. L'Europe centrale montre qu'il y a beaucoup de dénominateurs communs, pas seulement politiques d'ailleurs, mais aussi commerciaux, économiques, entre les pays. Donc n'ayons pas peur de se rapprocher les uns des autres. Certains disent que c'est pas bien parce que ça fait une Europe à deux vitesses. Non, c'est le contraire. Ça, ce sont des mouvements qui renforcent l'Europe. Mais pas l'Union européenne, qui renforce l'Europe à laquelle nous, en rêve, l'Europe des nations, l'Europe des libertés. Merci beaucoup.